2011. Yeah. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Clap TV. Nous sommes actuellement sur le ponton du Baoli Beach qui nous offre un panorama exceptionnel. Quel est selon vous le point commun entre Jessie G, Inès de la Fressange ou encore Jean-Paul Gaultier? Eh bien c'est très simple, ils sont tous passés ce soir devant les caméras de Clap TV et ça encore, c'est de l'exclusivité. Jessie G, what does Cannes represent for you? Cannes represents an amazing place where I did not know this existed here. And it's been an amazing experience. It's like one day of holiday and I've met some lovely people. Would you like to be an actress? Sunny. Just one movie? Oh, I'd love to. Yes. Oh, yeah, I'd love to maybe write a film. Woody Allen, Steven Spielberg. Ooh. I don't know. You don't I want it to be a musical, so maybe like Ben Elton. Yeah. I don't know. Okay, thank you so much. C'est votre combienième année au Festival de Cannes? 20e. Vous prenez toujours autant de plaisir? Oui, oui, je ne prends que du plaisir, pas autre chose. Ah, très bien. Yves Lecoq, voix de PPDA. Dans les guignols. Jean-Paul, une petite question s'il vous plaît. Vous êtes un féru d'art, est-ce que vous verriez passer devant ou derrière la caméra un jour? Ouais. Oh non. Non? Je peux, voilà, costumer et tout, travailler sur un projet, mais moi faire vraiment un film, jamais. Non. C'est aussi bien en tant qu'acteur que metteur en scène. On aimerait en tout cas, nous. Partons maintenant à la rencontre de celle qui a justement été mannequin égérie de Jean-Paul Gaultier dans les années 90. J'ai la chance d'être en compagnie d'Inès de la Fressange, bonsoir. Bonsoir. Alors Inès, il y a 4 réalisatrices qui sont en compétition cette année à Cannes. J'ai très envie de voir le film de Mei Wen, je crois que c'est vendredi. Voilà, le film de Mei Wen, Police. Est-ce que vous aimeriez un jour passer derrière la caméra? Mais en même temps, vous savez que c'est un métier quand même. Mais c'est vrai aussi qu'avec le temps, on a tendance à penser que les gens passent très souvent d'une case à une autre, qui s'essayent à plusieurs styles. Aujourd'hui, on pense qu'on peut s'improviser tout. Mais les choses s'apprennent, il faut une culture, il faut une connaissance, surtout un vrai désir. Hein. Quand on est créatif, on peut l'être dans plusieurs domaines. Ouais. Il faut avoir un tout petit peu de respect pour le travail, la connaissance, l'application, l'expérience. Exact. Et les choses paraissent faciles, mais elles ne le sont pas forcément. Exact. Est-ce que vous avez des réalisateurs fétiches? Non, moi je pense surtout films. Plus film. Que réalisateur. D'accord. En fait, je suis bon public. Bien, merci bien. Bah, c'est un plaisir. Laissez-moi vous dire que vous êtes très très belle, sincèrement. Merci, c'est adorable. Merci bien, bonne fin de soirée. De retour sur la croisette où défilent Woody Allen, le réalisateur new-yorkais, Jane Fonda ou encore le maître de cérémonie du grand journal, Michel Denisot. La reporter du petit journal de Yann Barthès. Jean-Paul signe les autographes. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul, un dernier mot? Qu'avez-vous pensé de la tenue de la chanteuse britannique Jessie J? Oh, superbe, elle superbe. Chante bien, en plus, et sa voix, elle est géniale. D'accord. Bien sûr, totalement. Mais elle était déjà passée, là, je l'avais vue et tout, elle est très très bien, son clip est formidable. D'accord, donc vous êtes fan? Ah ouais, j'adore. Belle Jean... voix, très 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 belle voix. Très... Et elle assure totalement dans la... D'accord, Jean-Paul Gaultier, fan de Jessie J. Et voilà. Merci bien. Et voilà, on assiste à la montée des marches de Tilda Swinton, vue entre autres dans Le Monde de Narnia. Elle jouait le rôle de la méchante reine. Et bien là, elle est juste derrière nous. Cannes, ville magique, Cannes, ville de cinéma, qui le temps d'un festival laisse place à toutes les excentricités et nous laisse croire que tout est possible. Et voilà, nous ne vous avions pas menti, Clap TV vous a encore livré aujourd'hui votre lot d'exclusivité. À venir très prochainement, l'interview du réalisateur Claude Lelouch. Je laisse tout de suite le mot de la fin à Inès de la Fressange. Belle soirée sur Clap TV. On fait pas comme ça à Clap TV? On peut le faire aussi. On aime Clap TV. Yes, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Au revoir.